Le Seigneur veut te parler maintenant. Le Seigneur est en train de dire que les choses qu'il a fait, il est venu nous enseigner à nous. Le Seigneur est venu m'enseigner à moi que du peu, il a nourri plus de 30 000 personnes. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Moi, ce que j'ai, c'est ce que je suis en train de partager avec vous. Je prends la parole de Dieu que je suis en train de partager avec vous. Le Seigneur Jésus, quand il est venu marcher sur terre, il est venu marcher comme un fils de l'homme. Alors, en état, il est resté sur terre, il a commencé son ministère à 30 ans. Cela continue jusqu'au point où il s'est fait baptiser. Et on nous dit que Jésus-Christ baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit que lui, il a reçu, n'est pas différent du Saint-Esprit que nous aussi, on reçoit aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. Alors, comme les choses qu'il a fait, nous aussi, on peut faire. Parce qu'on voit dans la même marche avec lui, parce qu'on reçoit l'Esprit et on marche dans l'Esprit. Les enfants de Dieu sont ceux qui marchent en esprit. Alors, la multiplication, la multiplication est possible aujourd'hui. La multiplication de ce que tu as, de ce que tu as dans ta vie. Reçois la puissance de Dieu dans ta vie. Reçois la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est en train de flotter d'ici comme une rivière pour venir vers toi. La puissance de Dieu est en train de flotter comme une rivière. La multiplication de Dieu est en train de venir dans ta maison pour multiplier l'huile, pour multiplier le pain, pour multiplier le poisson, pour multiplier. Alors tu ne peux pas être pauvre. Tu ne peux pas être dans le manque. Tu ne peux pas être dans le noir parce que la lumière de Dieu est multipliée pour toi. Maintenant, tu vas voir un grand soleil. Oh, partout où il y avait les ténèbres, l'Esprit de Dieu apporte la lumière. L'Esprit de Dieu apporte la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas résister.